Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo oups, que je vous avais promis il y a un petit moment déjà. Si vous vous rappelez, ça y est, elle est couchée sur ce que je dois vous montrer. si vous vous rappelez, il y a à peu près 2 semaines, j'avais fait un petit sondage. Pour savoir quelle vidéo, ça y est, c'est le soir, hein. Il est 22h, il est tard. Pour vous choisir, quelle broderie vous vouliez que je commence, en plus du cheval. Le cheval est déjà bien avancé, je vous ferai une vidéo, et on rebrodera un petit peu ensemble dans cette vidéo. Donc vous aviez eu le choix entre l'égyptienne avec son petit tigre et le triptyque. Et alors, par contre Fifi, je voudrais avoir mon papier, excuse-moi, elle est couchée sur moi, mon pense-bête. Alors je vais vous donner les résultats. Donc j'avais fait sur YouTube et je l'avais fait sur Instagram. Alors le triptyque sur YouTube a eu 8 voix, sur Instagram il a eu 6 voix, donc ce qui fait 14 voix. Et l'égyptienne sur YouTube 14 voix et sur Instagram 4 voix, donc soit 18 voix pour l'égyptienne. Donc vous aurez compris que je commencerai par du coup l'égyptienne, voilà. Mais vous inquiétez pas, le triptyque, alors le prochain ce sera soit le triptyque ou soit les poissons, vous savez, avec le fil de soie. Je pense plutôt que ce sera peut-être les poissons, mais on verra. Mais là je vais attendre que j'ai terminé le cheval, hein, parce que je vais pas commencer 50 broderies en même temps, sinon je vais pas m'en sortir. J'ai mes tricots, j'ai mon crochet, donc on va rester raisonnable. Voilà. Alors, je vous remonte. Bon, là, le dessin n'est pas très, très top, mais je vais vous le remettre à l'écran. Voilà, donc l'égyptienne. Bon, les couleurs sont beaucoup plus clinquantes que ça, hein, je vous rassure. Donc, voilà le modèle que vous avez choisi pour que je commence. Donc, je vous remontre la toile. Alors la toile, c'est une toile 50 sur 70 en 11 CT. Voilà. Alors, je vous remontre la toile. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Attends Fifi. Fifi, maman elle veut montrer aux copines. Tu veux que je montre aux copines? Alors, voyez. Donc c'était c'est super bien imprimé, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il me fait le point? Oui, voilà. La toile, alors elle est, oui, elle y est tout partout. Elle est surjetée, donc vous voyez, on voit le petit fil qui dépasse là. Donc je ne vais pas avoir de souci de défilochage de ma toile. En nombre de points, elle fait 191 points sur 278, donc soit 50 sur 70 cm. Alors, je vais avoir du confetti, hein, bien sûr, mais pas du catastrophique, je pense. Voilà, vous voyez, je vous montre. Voilà. Alors celui-là, c'est pas du noir, hein. Ça veut être quelle couleur ça? 648. Je ne sais plus quelle couleur c'est, mais c'est pas du noir. Ça, je ne sais pas s'il y a du noir dedans. Non, il n'y a pas de noir. Et est-ce qu'il y a du blanc? Alors le vrai blanc, non, j'en ai pas non plus. Alors, c'est pas les deux couleurs que je préfère. Donc tant mieux.
Malgré que vous avez vu dans mes certains unboxings là, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai des jolis fonds noirs. Hein. Bah, les poissons, justement, celui avec le fil de soie. Tout le fond est entièrement noir. Et j'avais aussi le petit chat qui rêvait avec les petits poissons rouges au-dessus de sa tête. Le fond est entièrement noir également. Mais je l'ai choisi, c'est que je le voulais. Donc voilà. Donc j'ai bien sûr avec, je ne vous ai pas dit, cette toile vient de VIP Cross-Stitch. Voilà, je vous l'avais déjà présenté hein, lors d'un unboxing. Là, j'ai le patron papier. Voilà. Je vous montre. Voyez, il est clair, il est bien imprimé aussi sur un papier glacé. Est-ce que je vous ai dit le nombre de couleurs? Je pense pas, hein. Non, je crois pas. Je vais avoir 42 couleurs à faire. Ça va. Et niveau légende, j'ai pas l'impression d'avoir de grandes difficultés de lecture sur les symboles. Alors là, j'ai un rond vert. Non, oui, c'est un vert. Est-ce que j'en aurais un bleu par hasard? Souvent, c'est quand il y a un vert, il y a un bleu, mais là, non. Peut-être celui-là, faire attention, mais ils sont pas dans le même sens. Alors, hop, ici, vous voyez, le petit coin vert avec le petit coin bleu. Mais bon, ils sont pas dans le même sens, donc normalement, je ne devrais pas avoir de difficulté. Là, les ronds, j'en ai un noir, un rouge, un vert. Les croix, c'est noir et bleu. J'ai pas d'autres croix, je crois. Non. Donc, si, j'en ai une rouge. Donc, voilà, pas de grosses difficultés. Alors, là, peut-être. Il faudra que je fasse attention parce que c'est pas très grand. Oui, un tout petit trait vert comme ça. Ouais, des petits traits verts comme je viens de vous montrer, ben, on les voit ici. Oui, là. Donc ça va. Et les rouges, enfin ça doit être rouge ou orange là. C'est oblique, donc ça va. Et celui-là, c'est quoi? Ah ben c'est du rose uni, c'est tout rose, voilà. Non, mais je pense qu'il n'y a pas, j'ai pas de difficulté particulière, je pense, pour les symboles. Ensuite, ben, je sais que vous aviez déjà tout vu dans le unboxing, hein, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, comme ça, je vous présente en même temps le kit. Alors là, par contre, pour vous montrer les fils, je vais mettre face bureau, ce sera plus simple. Et plus pratique pour vous montrer les couleurs. Alors voilà, au niveau des fils, il y a ce qu'il faut, vous hein, voyez. Alors, je vais d'abord avoir ici, c'est du 435. Voilà, donc j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça, c'est du. Alors, 7 en 435, comme ceci. Là, le 436, donc une grosse échevette, comme ceci. Celui-là, le 780. Vous voyez, on voit une petite différence hein, entre les deux. Sont très brillants hein, comme fil. La 3862, donc j'en ai une grosse comme ça. Une verre d'eau. Le verre d'eau, c'est le 647. Voilà.
Donc pour les échevêtres supplémentaires. Attendez, je me mets bien pour vous montrer. Voilà. Et donc voilà les couleurs que je vais avoir. Et elles sont vraiment très très belles et très brillantes. Joli bleu. Joli vert. Un orangé un peu doré, on va dire. Là aussi, ça fait un peu doré. Sont vraiment très 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 belles. Alors l'autre côté, voilà. Donc là il y en a qu'un parce que c'est justement celle que en échevette. Voilà. Et sont vraiment superbes. Hein. Et ça fait son poids hein, parce qu'il y a du fil hein. Et la deuxième cartonnette, le deuxième trifil, voilà les couleurs que on en a, que l'on a encore, vraiment très 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 belle et très très doux, j'aime beaucoup. Donc voilà. Je vais commencer un petit peu avec vous. Alors, je ne sais pas encore si je commence en haut, en bas. Je vois ça en préparant mon kit. Et donc, je vous ferai régulièrement des vidéos sur ce kit, en forme de vlog certainement. Pour vous montrer ben, où j'en suis arrivée, je broderai un petit peu avec vous, je vais broder hors caméra, etc. Bon, mais il va y en avoir pour un petit moment. Hein? C'est pas un ouvrage qui sera fini dans 15 jours. Hein? Non. Dans 15 mois peut-être. Non, j'espère pas. Donc voilà. J'ai plus qu'à préparer ma toile, c'est-à-dire ben, déplier, enrouler ce que je ne vais pas broder tout de suite. Et puis voilà. Alors je vous montre que j'avais eu un petit toolkit avec cet ouvrage. Donc j'ai ce qu'il me faut en aiguille. 1, 2, 3, 4. Il y en a 5 ou 6. Non, 6. J'ai 6 aiguilles sur un petit pompon. L'anneau qui sert de dé, bon ça je m'en sers pas, j'ai ressorti mon vrai dé. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis rentrée deux fois hier l'aiguille, mais en dessous de l'ongle, là, juste en dessous. Ça a fait bobo, je vous dis pas. Je vais... j'avais vu aussi, alors attendez, comment je vais vous montrer ça. Je cherche un papier blanc, bah là. Voyez, les sachets sont numérotés, il y a un petit diamant et là c'est le dauphin, c'est le numéro 37 avec le dauphin. Alors je sais qu'il existe beaucoup de, enfin plusieurs sachets donc avec le numéro qui change et le dessin de l'animal. Voilà, bon, le petit gadget. Donc voilà, bah, écoutez, le temps de me mettre en place et puis on attaque un petit peu ensemble. À tout de suite.
Thank you.
petite avancée pour démarrer. Je monte de plus près. Alors là, j'ai pas fait encore parce que je voulais pas perdre trop de fil. Donc je reprendrai ici pour le faire. Et voilà mon dos. Bon, là c'est le démarrage, hein, donc comme il y avait, voyez, une autre couleur à mettre, bon ben là automatiquement j'ai quand même tiré mon fil jusqu'au suivant. Alors si je pouvais réussir à garder mon dos comme ça partout, ce sera super. Voilà. Donc j'arrête pour aujourd'hui, il est tard, mes petites mains veulent plus broder.